Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Nicubic News. J'ai failli dire Voxel News, forcément. Alors aujourd'hui, je voulais parler du principe d'adaptation, que ce soit en faisant le remake d'un film, en le transposant à une autre époque, etc. Ou que ce soit ce qu'on pourrait appeler une adaptation transmédia, c'est-à-dire qu'on part d'un roman, d'une bande dessinée, et on en fait un film, une série. Je voulais vous parler de ça parce que je trouve ça hyper intéressant. Même un mauvais film devient intéressant quand c'est une adaptation, quand on le compare forcément à son original. Par exemple, je m'étais amusé à me mater un téléfilm Voyage au centre de la Terre. Je savais que ça allait être nul. Am I supposed to lose this? You try to put it back in the hole. Where's the clutch? No, when you come around, when you come around, don't you do it all the time. Stop, 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 stop. Mais je voulais voir ce que ça donne justement, ce qu'il faisait de cette histoire. Parce que quelque part, elle doit me fasciner, donc j'ai envie d'en voir un peu plus. Je connaissais le film des années 50. C'est un de mes films un petit peu chouchou, je sais pas, un de mes films préférés, quoique d'une certaine manière, mais il y a ce côté, tu vas au centre de la Terre, côté cocon un petit peu dans des grottes, il fait bon et il y a une aventure. Donc j'aimais beaucoup ce film, et plus tard, je me suis dit, bah, il faut que je lise le bouquin. D'ailleurs, la thématique d'aujourd'hui, elle découle un peu du Nicubic News numéro 3. Pour le coup, il y a un travail d'adaptation, ça sera sûrement le sujet du prochain Nicubic News. Parler du film de gangsters, des films d'origine, qui avaient un petit peu mis en place certaines caractéristiques du genre qui deviennent des clichés. Parler du fait de revenir à l'œuvre originale, et là, c'était un peu l'idée. Voyage au centre de la Terre, en fait, c'est quoi le roman à la base? Quelle est l'histoire? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Et de fait, pas tout à fait. Par exemple, dans le film, vous avez un personnage féminin qui est rajouté. Ça part peut-être d'une intention commerciale. Bah, y a que des mecs dans votre film, ça peut pas le faire. Il nous faut un love interest, comme on appelle ça, une petite amourette quelque part. Et une femme, pas pour faire plaisir aux femmes, hein, c'est toujours pour faire plaisir aux hommes, bien entendu. Pourtant, dans le film, le personnage féminin est vachement intéressant. C'est une femme qui a une grande gueule. Et qui se laisse pas faire, etc. Et pourtant, ça, le film, je crois qu'il date de 58. Ils en ont fait quelque chose d'intéressant. Le roman, du coup, était un peu plus ramassé. Vous avez que ces deux hommes qui partent dans les profondeurs terrestres. Et l'aventure elle-même est aussi un peu plus ramassée. Si vous voulez, il y a moins de péripéties. Donc c'est toujours marrant de voir ce qui est pris de l'œuvre originale. Est-ce qu'on essaie d'être fidèle ou pas? Bon, ça déjà, ça peut être une des questions à discuter aujourd'hui. Le principe de vouloir absolument être fidèle. Et d'accord que c'est pas vraiment d'intérêt. Quand on part d'un bouquin, qu'on fait un film, il y a forcément un travail. On a l'impression que, ah bah c'est fidèle, ils racontent la même histoire. Oui, mais ils utilisent pas du tout les mêmes moyens. Ça veut dire pratiquement que t'as deux tâches différentes à faire. Transposer d'un bouquin et de faire un film, donc je vais raconter ça avec des images, avec des dialogues, de la mise en scène cinématographique, des mouvements de caméra. Je dois faire en sorte que ça tienne en 2 heures, alors que le bouquin, quand tu le lis, t'en as peut-être pour une vingtaine d'heures. Et en même temps, si vous voulez donner la sensation à celui qui voit une version filmée du roman, il faut aussi s'imaginer comment faire en sorte que cette sensation-là, dans le bouquin, devienne une sensation filmique. Mais pour autant, moi, je trouve pas que ce soit le plus intéressant. Quand on regarde Blade Runner, par exemple, j'en ai parlé il y a pas très longtemps, Critic Man. Harrison Ford. Ah, oh, il va jouer dans le film, trop cool! Mais là, je parle de l'original Blade Runner. Vous lisez le bouquin, vous regardez le film, c'est pas du tout la même œuvre, en fait. Et du coup, bah, le roman est marquant dans l'histoire de la science-fiction, et le film est marquant dans l'histoire des films de science-fiction. Ça aurait sûrement été moins le cas en restant... En fait, c'est peut-être ça, le truc de rester trop proche, de rester, on va dire, dans les limites de l'œuvre originale. Si à un moment tu sens que il se passe ça en écrivant ton scénario, et parce que c'est un film, on peut aller faire telle scène, etc., il faut pas se l'interdire. Donc la fidélité à l'œuvre n'est pas pertinent en soi. Une sorte de travail mécanique, en quelque sorte, c'est dommage. Une œuvre, elle est là un peu pour exprimer quelque chose, même si c'est quelque chose de divertissant. C'est quoi? C'est parce que les gens sont feignants de lire un bouquin et préfèrent l'avoir en film? C'est pas la même chose, c'est juste pas la même chose. Là, je le dis un peu en rigolant, mais pour certaines personnes, c'est vrai, hein, les gens, ils vont attendre d'avoir le film pour le regarder parce qu'ils ont entendu que le film et le bouquin étaient bien. Je trouve ça aberrant comme démarche. Même si je trouve ça toujours plus pertinent, intéressant de partir d'une œuvre, de vouloir en faire un film pour une certaine raison et de dévier, en tout cas de partir dans un truc, d'amener sa touche personnelle, donc forcément d'aller un petit peu ailleurs. Il peut y avoir quand même aussi ce jeu de vouloir être fidèle parce que t'as aimé un bouquin, pour une raison X t'as envie d'en faire un film, t'as envie de respecter ce qui t'a fait toutes ces sensations magiques, t'ont poussé donc à faire toi-même une œuvre à partir de ça. Je comprends aussi cette idée de vouloir être fidèle. C'est le moment où ça te bloque en tant que créateur, où ça devient dommage. Mais donc pour revenir à ma première idée, qui était que c'était toujours intéressant, même un mauvais film, quand c'est une adaptation, un remake, et donc à mon exemple du Voyage au centre de la Terre, ce fameux téléfilm. I give you the center of the earth. Je m'attendais à un truc mauvais, et pour le coup, je peux pas dire que ce soit génial quand même, non plus, hein. J'ai quand même été surpris, justement, qu'il ne reste pas plaqué sur le bouquin, ni
ce film des années 60, ils sont venus eux-mêmes jouer avec tout ça. Je crois que ce téléfilm, ça doit être les années 2000, vous voyez, il y a une espèce de ouh, de grand écart à la Jean-Claude Van Damme. Et du coup, ils ont pris ce parti pris un peu méta, j'en parlais, on est dans une époque un peu plus méta, comme par hasard, là, ils ont fait ce délire. On part de notre réalité, où on a un auteur de science-fiction qui a écrit cette histoire, machin, et c'est constitué à partir de la folie de ses écrits, dans le sens où le mec était précurseur, il a imaginé des aventures auxquelles personne n'avait pensé. À partir de ça, où ils se sont imaginés une sorte de mythologie, comme si c'était pas un auteur, c'était un scientifique. Tout ça existe en fait si on arrive à trouver le fameux passage pour aller descendre au centre de la Terre, etc. Journey to the center of the Earth. Ça c'est venu se rajouter puisque vous avez le personnage principal, il est géologue, sismologue. Il y a une activité suspecte, je sais plus pourquoi il est poussé à aller sur le terrain. C'est là où on rencontre ces personnes un peu bizarres et qui se retrouvent à partir dans le sous-sol. Mais donc vous voyez, cette transposition, le personnage qui incarne cette espèce de sexe, c'est une femme, là pour le coup, il y a encore une amourette quelque part. Mais ils ont repris ce schéma, ce sont deux hommes. Le fils lui fait un peu la gueule, soit c'est une histoire de remariage, enfin bref. Dans les autres, c'était plutôt apprenti, là c'est une histoire père-fils. Eux partent dans les sous-sols. Et il y a une femme qui est un peu décalée. Dans le film des années 50, la femme vient se joindre à l'expédition, mais elle vient d'un concurrent. Vous voyez, il y a toujours cette histoire, c'est quand même une sorte de couple d'hommes, et il y a une femme qui vient un peu d'un monde extérieur. Elle aussi, elle est dans le monde un peu de l'exploration du monde scientifique. Je crois que c'était la femme de son concurrent, il y a un délire comme ça. Il y a une sorte d'altérité, hop, elle vient se rejoindre, et là, c'est donc une femme qui, elle, est dans son délire Jules Verne, qui vient se joindre, et je sais plus comment ça se passe, les effets spéciaux étaient bien dégueulasses comme il faut, hein. Vous imaginez un téléfilm des années 2000 avec du CGI. Mais ce qui était marrant au final, c'est qu'il mixait bien le côté fantastique du roman, tout en partant d'un mec scientifique, voilà, avec la machinerie moderne, et avec le fantasme que tout ça, que tout l'imaginaire de Jules Verne soit réel quelque part. Donc vous voyez, c'était pas inintéressant. Je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus plat, où il reste collé aux œuvres du passé, quoi. C'était pas très bien fait, mais finalement, ils avaient une idée intéressante à exploiter. Mais ce qui est toujours marrant, c'est de voir justement les changements dans les personnages. Est-ce qu'on transpose ou pas ? Est-ce qu'on transforme un personnage masculin en un personnage féminin parce que l'époque a changé? Est-ce qu'on donne un autre rôle au personnage parce qu'il est féminin, parce qu'il est masculin? On peut aussi voir des changements au niveau des ethnies. Tiens, dans tel pays, il y a telle problématique, du coup cette histoire du passé qui parlait un petit peu des étrangers, tac, là on la transpose et maintenant c'est d'autres personnes. Est-ce que en faisant un remake, on change l'époque? Tiens, c'était justement un film d'époque, on fait une époque contemporaine. Comment ça influe sur l'histoire? Comment ça transforme la dynamique des personnages? Comment ça peut transformer peut-être même l'intrigue ou carrément la problématique du film? Tout ça est extrêmement intéressant et ça permet de voir la narration. Parce qu'on part à la base normalement de la même histoire, mais comme le film il est différent, qu'est-ce qui va changer? C'est sa narration. Donc ça va passer par la mise en scène, mais ça va passer aussi par l'écriture du scénario, qui peut être modifié d'une version à l'autre. Est-ce qu'une histoire tient toujours le coup si on la raconte 200 ans plus tard? Est-ce qu'elle devient plus pertinente ou moins pertinente en changeant des éléments ou pas? Mais donc quand vous êtes intéressé à comprendre comment les choses fonctionnent, comment raconter une histoire fonctionne, là c'est du pain béni les remakes, etc. Quelque part ça met un peu en lumière la fabrication d'un film. On voit un peu plus, si on en quelque sorte, les ficelles du scénario, si on compare d'une œuvre à l'autre, s'il y a eu des changements assez marquants. D'ailleurs, par rapport à cette idée, je suis allé voir Le Crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh. Une adaptation du roman d'Agatha Christie, mais alors est-ce qu'il est parti du roman ou est-ce qu'il est parti du film déjà qui avait été fait... Waouh, alors là, années 80, pour du tout sûr, je l'avais même pas vu, je crois, j'en ai vu quelques images. Mais donc il a choisi quand même de faire un film d'époque. Et voilà, il est quand même connu pour adapter Shakespeare, mais de le faire en mode époque, en respectant l'époque de l'œuvre, de la pièce. Il aime bien les trucs en costume et tout. En tout cas, ça m'avait donné une idée, c'était est-ce que cette histoire, ou peut-être une autre, s'adapterait bien à devenir une sorte de fil rouge international du cinéma? C'est-à-dire que chaque année, on te propose une version différente, on va dire là, du Crime de l'Orient Express, réalisée par un mec différent forcément, à une époque différente, avec un cadre, potentiellement un pays différent, et donc ça deviendrait une sorte d'événement du cinéma, chaque pays aurait son tour à un moment proposer sa version de l'histoire. Ce serait pas génial comme système? Non, cette année, c'est les Japonais qui le font, c'est machin, ah, je me demande ce qu'il a fait comme choix. Parce que là, par exemple, l'histoire, ça se passe dans un train, mais on peut peut-être voir une version dans un avion. Est-ce que ça amènerait une différence ou pas, de changer juste le lieu déjà, qu'il soit enfermé dans une maison, dans des sous-sols avec des zombies, pourquoi pas? Vous voyez, et c'est là où le côté, peut-être ça fascine que moi, hein, j'en sais rien, mais ce principe d'adaptation, on connaît l'histoire, et c'est la narration tout de suite qui vient rajouter quelque chose. D'ailleurs, on peut imaginer très bien que l'histoire aussi soit un peu transformée, hein. On pourrait faire un film d'action dans un train, l'affaire se résout de cette manière-là, Hercule Poirot, ça pourrait être un ninja.
Il y a des tortues ninja qui débarquent, on sait pas, enfin voyez. On pourrait aussi faire un truc plan séquence, fixe. Tous les mecs sont contre un mur, vous savez que les lignes, comme quand on se fait prendre en photo aux États-Unis seulement. Tout le film se passe comme ça, et il dure 6h27. Ça peut être intéressant, faut bien bosser l'écriture. Autre exemple intéressant en mode adaptation, il y a eu La Guerre des Mondes de Spielberg. Là j'avais lu le roman avant, qui lui est un roman d'époque, il se passe au 19e siècle, il me semble, donc c'est plutôt des charrettes, etc. Et il me semble que ça se passe en Angleterre. Et pour autant on retrouve des scènes à un moment où le personnage se retrouve dans le film de Spielberg, il se retrouve dans le sous-sol d'une maison, et ils sont obligés d'attendre là, rester planqués. Il y a ce passage-là aussi dans le bouquin, mais qui est un peu différent, parce que les personnages, c'est pareil, là, dans l'adaptation, il y a cette histoire de père avec ses gamins, espèce de truc de famille qui est dilaté, et lui, il s'en fout un peu de ses gosses. C'est pas du tout ça dans le roman à la base. Je pars du roman, je peux rajouter, moi, d'autres thématiques. Pour autant, je raconte quand même l'histoire de cette invasion, etc. Là, ça se résout de la même manière. D'ailleurs, je vais vous mettre en lien dans la vidéo un très bon exemple, la masterclass de Alain Chabat à propos de son Astérix. Et justement, il parle de choix faits sur l'esthétique, etc., pour garder l'état d'esprit. Et là, pour le coup, l'histoire, elle existe déjà. L'album Astérix et Cléopâtre, hop, il était là avant le film. Et donc, il transpose quand même, puisque les dialogues ont été complètement réécrits, mais dans cet état d'esprit. Lui-même est extrêmement fan de Uderzo et Goscinny, donc il voulait respecter l'esprit. Et en même temps, vous voyez, il a trouvé, je trouve, une façon très personnelle de se le réapproprier. C'est marrant parce que du coup, ça m'a donné envie de le revoir. Je l'avais vu une seule fois à l'époque de la sortie, donc il s'est passé une quinzaine d'années. Et malgré tout, il m'a laissé ce même sentiment mitigé. C'est-à-dire que l'aspect comique est bien trouvé et effectivement fidèle à l'état d'esprit comique d'Astérix. Et pour autant, l'aspect un peu plus narration, film, intrigue, ça marche pas, je trouve, il y a un truc flottant. Et peut-être aussi parce que le casting est comme scindé entre deux époques. C'est-à-dire qu'on a Astérix, joué par Christian Clavier, on a Obélix qui est joué par Depardieu, mais par contre, à côté, tous les comiques, génération plus jeune, on a Jamel, on a Edouard Baird, etc. Les Robins font leur apparition, etc. C'est peut-être ça, vous voyez, qui donne un espèce de déséquilibre. Avant de le relancer, je me suis dit, oh là là, Christian Clavier en Astérix, ça va être bizarre et tout. Il joue bien son rôle, c'est juste qu'il est pas dans le même mode, effectivement, que Jamel, qui a une espèce de liberté verbale, etc. Qui est plus en connexion avec l'humour, le délire d'Alain Chabat. Ils étaient peut-être obligés au niveau contrat de reprendre le casting d'avant, je sais pas. Mais je trouve à la limite, ils auraient été mieux à prendre des comédiens qui ressemblent pas forcément, mais qui étaient plus dans l'état d'esprit. D'ailleurs, Obélix, il a cette espèce de ceinturon chelou, on dirait qu'il a un énorme bouclier sur le ventre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce truc moche. Parce que pour autant, un exemple de précision, ils voulaient récupérer le même bleu en filmant que le bleu dans les cases. Que pour eux, voilà, ça amène une atmosphère visuelle très particulière. L'ambiance ensoleillée, voilà, d'Astérix, ils voulaient retrouver ce même bleu. Forcément, techniquement, c'est pas la même difficulté de faire ça qu'une caméra. Hein. Donc très intéressant. Allez voir cette petite vidéo, les amis. Et autre idée que ça m'a donné en tout cas, c'était justement de faire un film où volontairement on confronte deux générations de comiques. Alors mon truc peut pas marcher parce que les mecs sont morts forcément, mais faut imaginer un film peut-être de super-héros où vous auriez d'un côté Bourville, De Funès, Galabru qui sont les méchants et qui doivent affronter Jamel, Edouard Baird et les Robins. Vous voyez un peu le truc. Il y a Dieudonné qui vient faire un petit délire au milieu. Lui, on sait pas trop où il se situe. Et un mec comme Bertrand Blier, il serait capable, lui, de faire un truc là-dessus. Pour finir, je peux évoquer Minority Report, le film encore de Spielberg, adapté de Kadic, encore une fois. Putain, Kadic, il est fort, hein. Après avoir vu le film, je me suis dit, bah tiens, il faut que je lise cette nouvelle, absolument. Et j'essaie de récupérer ma voix, absolument. Et pour le coup, là, tu te dis, oh putain, le travail de scénariste. Parce que la nouvelle est très courte, elle ne fait pas un film, il dure au moins 2h20, Minority Report. Je crois qu'il a vite fait l'idée de ce donc rapport minoritaire. Elle m'a assez peu marqué la nouvelle, je m'en souviens pas bien. Je me souviens que c'était très petit. Que ça racontait toute petite histoire. Et dans le film, tout le délire avec le fils, etc., c'est complètement rajouté. Même les précoques, je crois que c'était très simple dans la nouvelle. Donc là, tu fais, ah ouais, d'accord, ok. C'est marrant, en tout cas, d'être parti de ce petit truc. Et ça te dit, je veux faire un film de ça. Ça, c'est assez fascinant. Un peu pareil avec le Edge of Tomorrow de Doug Liman, avec Tom Cruise, encore une fois. Oh, vous voyez, il y a un lien entre chaque truc, c'est fou. Qui, à la base, est un court roman de... Alors là, il faut que je lise, parce que c'est japonais, j'ai pas retenu. Hiroshi Sakurazaka. Edge of Tomorrow, chef-d'œuvre de science-fiction. Alors là, les amis, allez-y, on est dans du divertissement, mais alors putain, si vous n'en avez pas entendu parler, juste allez le voir sans vous renseigner. Parce que personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un kiff de malade, notamment parce que je savais juste mecha, Tom Cruise, science-fiction, Doug Liman, c'est tout. Faites-moi confiance, allez vraiment voir ce film. Je voulais à un moment faire un critique man dessus, mais je me suis dit, il est trop vieux, est-ce que c'est vraiment utile? Toujours est-il que c'est adapté donc d'un roman qui est aussi relativement court.
Hein. Et il y a toute une transposition, parce que le roman, lui, le personnage principal, il est japonais, et il y a une histoire qui a une confrontation avec des Américains. Dans le film, ce sont que des Américains. Il y a ça qui a sauté. Le personnage féminin n'est pas exactement le même, ça se finit pas pareil. D'autres choses, par contre, ont été fouillées, etc. Donc, c'est vraiment toujours très intéressant. Et je voulais finir avec une petite déclaration de John Ames, qui était interviewé dans un cinéma teaser, ce magazine que j'aime beaucoup. Passage, petite publicité. Hein. Non, ils ne payent pas, ils m'ont pas filé d'abonnement, hein. Qu'ils aillent se faire foutre. En tout cas, John Ames, il a écrit le roman A Beautiful Day, qui est devenu le film A Beautiful Day avec Joachim Phoenix, réalisé par Lynn Ramsey. Et ce qui m'a un petit peu surpris et choqué, c'est quand il a dit que le film était plus psychologique que son roman. Parce que pour le coup, quand je parlais de transposer un roman en film, il y avait forcément cette histoire de psychologie. Effectivement, c'est plus facile dans un roman. Tu peux écrire ce que le personnage pense, etc. Ça reste léger. Dans un film, tout de suite, faut mettre de la voix off et ça peut devenir lourdingue à la force. Ça peut en tout cas faire très appuyé. Je vous dis, le personnage est comme ça et comme ça. C'est marrant, dans un bouquin, ça choque pas. En tout cas, c'est un fait de différence entre ces médias. Et donc, généralement, on dit qu'un bouquin est plus psychologique, peut aller plus loin, détailler les personnages en profondeur. Un film reste un peu plus extérieur, en tout cas un peu plus superficiel. Et ben lui, il trouve que le film est plus intérieur, plus psychologique que son roman. C'est quand même marrant. Et d'ailleurs, je l'ai vu ce film, et effectivement, en lisant donc après l'interview en entier, je me suis rendu compte que visiblement, c'était un roman plus d'action. Alors que le film, en quelque sorte, il a dégraissé l'action. Il est très sombre, il l'a rendu un film quand même qui parle pas mal de la violence au cinéma, justement, dans cette façon de le montrer de manière un peu détachée, un peu en hors-champ. Jamais c'est glorifié, c'est extrêmement glauque et cradoc. Et surtout, ça enlève le côté potentiellement efficace, rythmé. Les scènes sont très longues, c'est un peu apesanti, etc. On est complètement collé à ce personnage, mais presque sensoriellement quand on rentre dans sa folie mentale. Et je peux comprendre que le roman, peut-être, lui, est plus concentré sur les films d'action. Il disait qu'il voulait faire un roman où tu tournes très rapidement les pages parce que ah, la suite. Potentiellement, tu rentres moins sur des descriptions de la psychologie, t'es sur de l'action. C'est peut-être ce genre de mécanisme qui a fait que le premier roman de Blade Runner est devenu donc un film, et par contre le Blade Runner 2 en bouquin, c'est la suite du film. Blade Runner est tellement marquant en tant que film, et plus connu en quelque sorte, donc le mec qui était le disciple de Philip K. Dick était obligé de repartir de l'histoire du film pour pouvoir continuer ça en roman. En tout cas, c'est encore plus long que ce que je pensais. Toujours au début, je me dis, ah, j'ai pas assez de matière, j'ai pas assez de choses à raconter. C'est une maladie, hein, cette histoire. J'espère en tout cas que c'était intéressant, ça va vous faire vous poser des questions et voir la structure des histoires, des scénarios, etc. Toujours mieux d'avoir quelques outils pour comprendre et moins se faire couillonner soi-même. Allez, petite piste finale pour justement se faire plusieurs remakes qui ont été faits à des époques différentes. Il y a le Profanateur de Sépulture, il y a une version dans les années 50, il y a une version dans les années 70, il y a le Body Snatchers des années 90 de Abel Ferrara. Il me semble qu'il y a un quatrième film, en tout cas au moins ces trois-là, vous les matez, vous allez voir. Le premier en noir et blanc, le deuxième il est un peu plus suintant, années 70. Les années 90, Abel Ferrara, il y a une autre folie encore différente. Même histoire, racontée complètement différemment à chaque fois et qui en plus est un marqueur de son époque. Bref, il faut que j'arrête là. Maintenant, on va parler de Nick Kubik. Alors, depuis le Nick Kubik News numéro 4, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un Critique Man sur Thelma. Je pense que t'es moche. Ah non, moche. Non, mais trop moche. Et en même temps, c'est extrêmement savoureux. C'est-à-dire que le film vous fait totalement confiance. Un autre film qu'il ne faut pas rater, les amis, vraiment, celui-là. Si vous n'en êtes pas convaincu, allez voir cette vidéo. Vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. À côté de ça, j'ai continué le montage de la vidéo Tipeee. Ça y est, j'ai fait l'assemblage. Maintenant, on va voir que je fasse toutes les illustrations. Histoire qu'il n'y ait pas juste ma tête comme ça en train de parler pendant 6 minutes. Et puis, j'ai aussi avancé sur le prochain film à venir. Avion. Je suis plutôt content parce que mes histoires d'effets, il y aura des effets, c'est de l'animation. Hein. J'avais un petit peu peur de comment je vais me débrouiller, 2D, 3D, machin. En partie 3D, en partie 2D. Ça a l'air de bien fonctionner, et en tout cas d'être assez souple pour que je puisse faire ce que je veux. Et j'ai commencé à mettre tout ça en place. Ah, des nouveaux films. Bah du coup, le programme de cette semaine, il va ressembler. Je vais vous monter Critique Man sur La Lune de Jupiter et Battle of the Sexes. Je vais essayer... Ah non, peut-être, je vais pas pouvoir faire les deux, je pense. Puisque je viens de penser qu'on a une journée de tournage Voxel. Le Voxel, c'est ma chaîne jeux vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous ne connaissez pas. Donc, au moins un Critique Man sur La Lune de Jupiter, continuez cette fameuse vidéo Tipeee et continuez sur ce film Avion. C'est l'heure de vous faire des gros bisous et puis kiffez plein de beaux films, les amis. À très bientôt. Là, je fais un remake de La Planète des Singes, vous savez, le film que l'épisode 3 est raté. Je vous propose ma version. C'est pour nous, La Planète des Singes. Ici, c'est la Terre, c'est le royaume des humains, tu dégages. Non, je suis pas d'accord, c'est vous qui partez. Ah bon, tu m'as convaincu, je me casse.